Ça touche pas que moi. En larmes, Sébastien Chalureau s'explique. J'ai voulu parler devant vous pour totalement clarifier la situation. Au cœur d'une polémique liée à une condamnation en 2020 pour des violences à caractère raciste, le deuxième ligne du 15 de France s'est défendu hier devant les caméras. Je ne suis pas un raciste, je suis un fédérateur. Le rugby est un sport avec l'union de beaucoup de communautés. C'est ce qui fait la beauté du sport, avec des caractères différents, des physiques différents. Un sujet évoqué lors de la visite du président auprès de l'équipe un peu plus tôt dans la journée, comme le montre cet échange avec l'entraîneur Fabien Galthié. Là, Martien, il va sortir ce soir. Qu'il soit lui-même, il doit pleurer, il doit dire des choses. Une visite ponctuée par un discours d'encouragement. Rendez-nous fiers, heureux. Une manière aussi de refocaliser l'équipe sur son prochain objectif sportif, la première confrontation des Bleus à la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande vendredi soir.